saura comment remettre le monde en marche, les écrans reviendront de couleurs, d'images qui bougent, qui changent. En attendant, tu fais quoi? Tu guettes, tu attends, tu restes, tu surveilles, tu regardes en deux côtés, tu regardes là, tu regardes de l'autre côté. Sinon, tu ne peux pas surveiller. Il faut apprendre à contrer la triche. La triche, c'est vrai. Quand il y a une caméra de face, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Donc, on travaille sur les deux côtés de l'image. Comme écran, noir devant, noir derrière, l'image est d'un côté devant. Et donc, de l'autre côté derrière. Les hommes n'ont plus, t'as pas d'image de l'autre côté du derrière. C'est ma salle de surveillance. J'y viens tous les mois. Plusieurs jours durant. Pour l'instant, le monde ne s'est pas réveillé encore. Si on voit soi-même par l'intermédiaire d'une caméra qui filme, voyons-nous mieux? Quelle instance de vérité surgit parce que on ne filme pas soi-même? Dans ses yeux de cervelle, on filme monde devant par ses yeux de technique. Vois le monde. Vois les couleurs du monde en béton. C'est fermé. C'est fermé. Vois le monde. Vois les couleurs du monde en béton. On serait ici dans le sous-sol du monde habité. On est ici dans la base de la ville. On s'installe dans la croûte, peau, ciment, béton, qui est le socle même de la ville. On est installé dans cette sous-couche, c'est le mot technique, qu'on avait prévu dans ces villes nouvelles pour observer la ville. La vie, les deux étant ensemble par la concaténation de béton, mais on avait ménagé cette couche pour qu'on puisse se déplacer dans l'intérieur de comment voir la ville sans être vu du tout. Et c'est pour ça qu'on a installé aussi tous les écrans. Chaque écran, ici, 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 tu les vois, tous les écrans. Chaque écran renvoie à une des maisons de la ville. Quelque chose de relativement simple dans l'association de la ville et du monde écran. Un balcon, un appartement, système de captation, écran. Mais qui s'en rend compte dans n'importe quelle ville que dans la couche sous couche béton de ville, tu as écran, appartement, tout ce que tu fais tracer, tout ce que tu fais enregistrer. Ici, on est dans la salle qui est appelée salle morale. Mais j'ai pas dit
Morale, M-O-R-A-L-E. J'ai dit morale, M-O-R-A-L. Pourquoi les écrans sont noirs? Parce que montre que pas le moral. Démonstration faite. Maintenant, je vais refermer la fenêtre. Même ici, c'est le labyrinthe. Qu'on serait ici dans le sous-sol du monde habité. On est ici dans la base de la ville. On s'installe dans la croûte, peau, ciment, béton, qui est le socle même de la ville. On est installé dans cette sous-couche, c'est le mot technique, qu'on avait prévu dans ces villes nouvelles pour observer la ville, la vie, les deux étant ensemble par la concaténation de béton, mais on avait ménagé cette couche pour qu'on puisse se déplacer dans l'intérieur de comment voir la ville sans être vu du tout. Et c'est pour ça qu'on a installé aussi tous les écrans. Chaque écran, ici, 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 tu les vois, tous les écrans, chaque écran renvoie à une des maisons de la ville. J'ajouterai ça comme dernier exemple à mon histoire. Deux caméras, deux images. Caméra, caméra, image, image. Et vois-tu la même chose? Non! Entends-tu la même chose? Non! Parole 1. Harkiram badalum ganda. Parole 2. Rombalin tsungolin sri tampon. Les mêmes caméras, deux images, le même monde, la même salle, les mêmes écrans noirs. Les paroles, vous avez entendu, sont différentes. Rien au monde ne parle la même langue. Et c'est bien ça le drame des écrans noirs dans la sous-couche ciment de la ville. Cette idée de foutre les apparts par-dessus. De les intégrer ensemble. Ouais, ouais. Et ça, il n'y a pas. Mais l'idée qui est bonne là-dedans, c'est de mélanger les usages, en fait. T'as une ville le soir qui n'est pas la ville du matin et de la journée. Ça n'a jamais été fait ailleurs, ce truc? Ben si, tu dois connaître mieux que moi. L'architecte qui a fait ça, c'est Josic, c'est l'architecte du Mirail. Ah ouais. Tu vois tout le quartier? Ils sont trois. Et c'est un encastrement de centre commercial, université, logement. Alors que là, c'est à toute petite échelle. Alors, ça n'a pas si bien réussi que ça, mais ce qui est rigolo, c'est que les copains qui ont fait la Ville Nouvelle me disaient qu'ils avaient fantasmé un peu les traboules de Lyon. Les endroits où tu passes, tu recircules. Et c'est les traboules Blade Runner. Tu vois le truc? J'ai jamais vu Blade Runner. C'est un endroit, tu sors pas de là, en fait. T'es comme dans un jeu vidéo et qui est un centre commercial et qui est un truc sans fin. Un peu comme Pac-Man, tu vois, t'es là pour manger des trucs, tu manges des trucs, tu manges des trucs, tu manges des trucs, c'est tout ce que t'as. C'est pour ça que tu n'es jamais sorti? Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on t'a fait venir ici, en fait. Tu sais pourquoi ils ont fait ça? Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que c'est les conduites d'aération qui descendent jusqu'au parking. C'est les parkings, hein? Ouais. Ouais. Thank you.
places des outils qui observent. Tu places des outils qui observent, tes outils qui observent. Plus c'est blanc, plus c'est vide, moins tu peux avoir confiance. Plus c'est blanc. Plus c'est blanc, plus c'est vide. Tu te dis que la réalité peut être trompeuse, que la réalité peut basculer. Et la réalité qui bascule ici, au-dessus de la ville, t'emporterait avec elle. Une réalité. C'est la seule différence avec ces casques qu'on se met sur la tête quand on fait ces mouvements. Tiens, par la main, de quoi organiser le monde, agir le monde, fabriquer autour de soi un monde, mais on ne voit rien. Et celui qui approche de toi, même avec sa caméra, parce que tu as ce casque, la réalité a déjà basculé. Mais nous, ici, dans cette réalité ordinaire, peut-être aussi on est dans le monde déjà basculé. La ville, on ne la connaît plus. Le monde des autres, on ne le connaît plus. Et si tu ne connais plus le monde des autres alors que tu fais partie du monde des autres, tu ne te connais plus toi-même. C'est pour ça la vie dans les appartements vides. La ville, on ne la connaît plus. C'est pour ça les appartements vides. Ici, au moins, tu es mobile. Ici, l'appartement vide, on peut le parcourir. L'appartement vide, tu ouvres, fermes les fenêtres à même la ville. Tu la vois autrement, la ville. La ville, elle est pauvre, elle est sale, elle est dure. C'est pas une ville qui fait des cadeaux ici. Si tu enlèves ce qui protège de la ville, tu accèdes mieux à la connaissance de la ville. Dans les appartements vides, on se désencombre. Si tu désencombres autour de toi, tu te désencombres à l'intérieur de toi. Se désencombrer les intérieurs de soi, c'est ouvrir à plus de traversée par ce qui compte de la ville. La ville est ce qui nous sépare des autres. La ville n'est pas ce qui rassemble, la ville c'est l'ensemble des cloisons qui isolent. Dans l'appartement vide, tu te rapproches des autres. Et si tu te rapproches des autres, tu te rapproches de toi-même, puisque toi-même t'es dans les autres. L'appartement vide est le seul moyen de réaccéder à la danse de soi-même. Comme ces types qu'on voit avec leurs casques qui font des mouvements, ont supprimé la réalité autour, tiennent des manettes, sont dans cette danse du réel qui ne t'appartient pas, mais que semblent connaître. On les voit qui tournent, qui agissent. L'appartement vide serait une sorte de casque de réalité virtuelle appliqué à l'environnement ordinaire du monde. Tu arpentes ton corps. Inventer des dispositifs à s'interdire l'immobilité. Tu multiplies les points d'observation. Rien de ce qui est alentour. 360 degrés pour les casques. Aucune raison que ça puisse t'échapper. On voit partout. Ce qu'on voit, la ville, elle ne doit pas te voir la photographier, la ville. Il y a trop à prendre qui participe aussi du secret. Tu te dis... C'est trop calme. Partout en même temps, les traces du provisoire. Et tu te retournes dans l'appartement vide. Traces des ombres sur les murs.
Les murs même, le fond des murs, où tu pourrais te fracasser la tête si tu cours vers le mur, sont devenus des impressions de fenêtres. Les fenêtres couvrent la ville par l'ombre sur le fond des murs. Sur quoi elle ouvre? Sinon sur toi-même. Jeu de lumière, jeu d'ombre. C'est ouvrir à plus de traversées par ce qui compte de la ville. Les réalités ici a basculé. Tu as inventé le casque de réalité virtuelle à réorganiser l'ordinaire du monde.